Assalamu alaikum on bandiraabe ande min joodima do minen mouvement Madiba mouvement citoyen pour le développement économique et social Madiba min joodima do e bantu e siège min noddi comité directeur élargi à peu près 120 membres yimbe boni hen soubaabe gurede min yewti pour hombo men jaadata élection législative anticipée dido garoji di ma won coalition du joy noddi amen jewtidi amen min gari min kollibe dole mumen e faiblesse mumen fof ben jewti yimbe be jetti kongol kali yidi mumen finalement men namen nanodiri ko buri ko ne hewta men nanodiri ko men balla coalition pastef men kalibe kadi ko taki amen balla be ko dum don hande yewta do e bantu donc mouvement citoyen Madiba ma wat soutenir pastef élection législative anticipée garoji di men jodinama do taski de élection présidentielle benni men jodi ko beno men gonno ko men mouvement citoyen men gonana APR men pewjidi minen fo men nanodiri amen jalta e APR men gona en stand by woni men jodo amen yewo ko hebori art minen men nanodiri hen joni non élection législative anticipée ari men jotti be kadi men pewji dum do dum non wadi beden wada lancer un appel beden wada erango kala gondo neddo sympathisant membre militant Madiba yo wallu bo men jobi o bo men jaakori o kanyum wayi wallu de gede wana Oumar Ba do wallate yewden do ko hakkilaji men dukki men ko laamu ngum bawden wondude ko pastef bawden wondude de to en gonde mumen haado Allah haadi joni mbari mi lancer un appel ko enen fof oto mbiyen tan en jida sonko ko sonko Allah totti gedal ko Bassirou Diomaye Faye Allah totti gedal enen ne jaben ko Allah wadi ko ballende odo election se passef ala hen majorité Sénégal ko dartoto ha 2029 Oumar Baba président du mouvement citoyen pour le développement économique et social MCDS Madiba maire de la commune de Guédé village on a convoqué aujourd'hui au siège à Mbantou dans la commune le comité directeur élargi composé de 120 membres pour discuter, échanger et prendre une décision pour quelle coalition on va soutenir pour les élections législatives anticipées. On a développé les forces et les faiblesses des 5 coalitions, grandes coalitions qui nous ont approchés pour les affaires de les soutenir. On a laissé l'Assemblée discuter, échanger. Finalement, on a pris la décision de soutenir la coalition du PASTEF pour différentes raisons. On a été battu aux élections présidentielles, on soutenait un autre candidat. Dieu a donné la victoire au PASTEF. C'est notre devoir de leur donner la chance pour 5 ans de dérouler leur programme et développer le Sénégal pour l'intérêt de toute la population. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ce que les Sénégalais ont décidé. On a décidé de soutenir le PASTEF à partir de maintenant. Je lance un appel à tous les sympathisants, membres et militants du mouvement Madiba, à toute la population de la commune de Guédé village et de tout le département de Podor de soutenir cette candidature pour le PASTEF, pour l'intérêt du Sénégal, pour la stabilité institutionnelle du pays. Je suis président du mouvement citoyen Madiba, pour la commune de Guédé village. Passé au Nanifi Kitabaski, après défaite au candidat au Beno Bokoyakar, pour ne les gens de nous gagner le Beno Bokoyakar, n'est qu'en stand-by, car lui n'a rien. Président passe à l'Assemblée nationale, a mené l'élection législative anticipée. Nous avons eu 5 coalitions. Il y en a beaucoup d'élections. Nous déclarons nous mieux. Nous avons eu un comité directeur élargi. Fi ci ban petit siège mouvement bi ñu waxtaan ñu présenter len force ak faiblesse de coalition bu nek ñu bay assemblée bi ku nek joxe xalaatam finalement dañu décider ñu soutenir coalition PASTEF jox nañu les raisons yi ñep waxtaan ci ma ngi lancer appel à tous les militants membres et sympathisants du mouvement Madiba toutes les forces vives de la commune de Guédé village ak département Podor yep nañu voter le PASTEF
pour que le Sénégal mune dem kanam ñu bay ñu Allah jox nguur gi ñu mëna dérouler sen programme pour 2029 ku mëna ku nek candidat bu nek mëna bok ci yenen élection yi donc ñu ngir ñaan population yi nañu jappelé gouvernement bi pour intérêt sénégalais.